Mais le problème qui est là, je voulais. Et puis c'est un gars. Le dernier projet, il s'agit des prisonniers militaires, l'école militaire préparatoire des troupes. Et bien, mais non, un fake. Les places de Saint-Louis, du Niger, de Togo, du Mali, du Bénin, de l'indépendance à nos jours, on n'a pas fait une école prisonnière militaire. Ok, qui était le Mais premier ce ministre, sont les le premier ministres, les président? généraux qui se partagent ces places-là pour envoyer leurs enfants, leurs cousins. Alors que cette école militaire préparatoire, c'est pour tous les enfants de la nation. C'est les meilleures des écoles. Si le fils du caporal est meilleur que le fils du général, c'est le fils du caporal qui sera lui. Mais pour cela, il nous faut avoir notre propre école. Alors, on va l'implanter sous l'égide du chef suprême des armées. Mais n'oubliez pas que tout ce que je viens d'énumérer a commencé. Il n'y a plus que deux ou trois projets qui restent à réaliser. Mais tous les restes sont déjà réalisés à votre profit par le colonel. C'est pour vous dire qu'il lui n'est pas venu pour lui. Il est venu pour le peuple de Guinée. Il est venu au nom de cette armée. C'est pourquoi il n'y a pas de liste du CNRD. Le CNRD, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Terre, air, mer, gendarmerie, police, douane, conservateur de la nature. Voilà, frères d'armes, l'explication pédagogique. Pour moi, ma explication pédagogique, Roma Idi Amin, c'est un faux débat. Na débat na en quickie. Ça autour il barre iraba mubarataga. Continue. Ce qui est en train de passer dans votre armée. On dit que la place d'armes, c'est la radio diffusion télévision du militaire. D'abord, Idi Amin, c'est un gendarme. Une gendarmerie m'a tout fait, il fallait la vérifier. Il a fallu les paramilitaires. Sorry Mara. Parce que les militaires guinéens sont faibles. Sorry Mona Idi Amin. C'est un policier. Continuons. Ouais. Mais n'oubliez pas que tout ce que je viens d'énumérer a commencé. Il n'y a plus que deux ou trois projets qui restent à réaliser. Mais tous les restes sont déjà réalisés à votre Où profit. là, c'est un Par le faux, colonel. c'est un faux programme. Où les C'est pour vous dire qu'il lui n'est pas venu pour lui. Il est venu pour le peuple de Guinée. Où les Il est venu au nom de cette armée. Où les C'est pourquoi il n'y a pas de liste du CNRD. Le CNRD, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Gra où les Terre, mer, gendarmerie, police, douane, C'est pas vrai. conservateur de la nature. Non, où les Idi Amin, où les Voilà, frères d'armes, l'explication pédagogique de ce qui est en train de passer dans votre armée. On dit que la place d'armes, c'est la radio diffusion télévision du militaire. C'est ici que vous vous apprenez. Ce que vous entendez dans les quartiers, n'écoutez pas. Les rumeurs, n'écoutez pas. Les réseaux sociaux ne vont pas tirer Ah, à il vous. m'a attaqué. On ne commande pas un pays avec les réseaux sociaux. Ah! N'oubliez pas Au ça. Béra. Écoutez le colonel commandant la 4e région militaire. Ce Willy. qu'il vous dit, c'est ce qui est la version officielle. Willy.
Non, ce que moi j'ai dit, c'est ce qui est la version officielle. Parce que je n'attends à rien, à qui que ce soit. Mon frère, je vais te dire... Attends, je vais arrêter là-bas un peu et reprendre le monsieur Camara. D'abord, les réseaux sociaux aujourd'hui, monsieur Camara, c'est nous, les vrais communicants. C'est nous, les vrais dignes fils de ce pays et non vous. La Guinée, parce que moi, je te croyais à un homme digne. Je te croyais à un homme honnête, guinéen. Mais tu es là à mentir. Tu es là à tromper tes propres frères guinéens, y compris Farana même. Parce que, dans les camps aujourd'hui, on voit les Faranaka partout. Non. Mon frère, il faut équilibrer la vérité, équilibrer les choses. Ce pays n'appartient pas au Malinké. Idi Amin, un grand respect que j'ai pour toi. Je te donne quelques heures. Bientôt, tu vas tout gâter. Parce que toi là, Alpha Mirago, tu es un frère peut-être de 2 ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, je ne sais pas. Mais ce semaine, il y a un peu de temps. Nira yarabi mana nyagira et puis man fara nyona yarabi kui so so manga na na ibaga mai maya e wule na fala fe mo be e wule fala ga nation be e wule fala ga sore be e wule fala wunye yat be grand frère kala e masiga e na se fe fe vous avez tout eu. Il est très intelligent le gars là, mais très risé. Et très mauvais aussi. C'est seulement Ganaoui. Idi Amin, Rémi est loin, la Guinée est loin, mané. Où est-ce que tu as fait? N'est pas à voir parce que Amato attire à Rémi Marolma ou le Falena. Oh, dis donc, attends. Je pense qu'il vous resterez dans les rangs. Vous resterez discipliné. Ah, vous respecterez le règlement de service dans l'armée. Hey. La hiérarchie. Oui. Le respect. Ona Luna. Chef militaire. C'est-à-dire, on dit des choses, on n'applique pas. Les jeunes militaires ont fatigué de vous. Obéissez d'amitié. Ah, please. Doit être observé par le chef. Ah. J'ai envoyé l'inspecteur général des forces armées. Ok. Parce que non seulement vous avez reçu l'argent des ravitaillements sur vous. Ah, dis donc, Yeri. Mais nous continuons. Mais combien? À nourrir par l'ordinaire tous les militaires de la République. Aïe là. On envoie lui. On envoie lui à toutes les positions jusqu'au. Le perroquet à toutes les positions pour que le riz soit préparé. D'abord, envoyer du riz en Guinée, c'est pas bon. Au sort, envoyer du riz aux militaires, c'est escroquer l'esprit des gens. Idi Amin. Ça passe à la solution. Organiser les élections et quitter. Moutakoulon, n'a rien fait la Guinée, parce que la Guinée, quand Big Ben a Farimato, savent, des vrais intellectuels guinéens, ethnie Birikoui, Idi Amin. D'abord, grand frère, il m'a dit qu'il n'y a qu'à Amoura Farantama, parce que ça, c'est mal à pied. Pour que vous puissiez manger matin, midi, soir. Alors les bordéros doivent être lus ici, à la place d'armes. Travez-vous, voilà en ce mois de juin, ce que le l'état-major général des armées a grand frère, non, il est très rabbi. C'est de mettre à la disposition ce que l'état-major demande.
L'état-major a été inventé par l'Allemand Charles Maï. À l'époque, il n'y avait que le premier bureau, le deuxième bureau et le troisième bureau. Le quatrième bureau, les quatre bureaux. Le personnel, les renseignements, l'opération et la logistique. Il disait, le deuxième bureau, c'est-à-dire service de renseignement, le deuxième bureau me dit ce qui se passe, le troisième bureau me dit ce que je dois faire, et le quatrième bureau me dit ce que je peux faire. Okay. La plus belle jeune dame du monde, excusez-moi les sœurs, ne peut donner que ce qu'elle a. Okay. L'État, il n'y a pas que vous. Le développement de l'État doit être harmonieux. Admettons que le président, son premier ministre, le gouvernement, ils disent, bon, on donne tout à l'armée. Mais pendant ce temps, le soldat, sa femme est civile, ses enfants sont civils, ils doivent aller à l'école. Il faut faire une école. Sa femme doit travailler. Il faut trouver de l'emploi. Son grand-père, son père doivent être soignés. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais le soldat, pour arriver à Zirikore, il doit rouler sur une route. Nous sommes les sacrifices de la nation. Le soldat, c'est l'austérité, la cupidité, la réclamation. Vous me connaissez de ça le caractère. Pour cela, après toutes ces satisfactions, de sale caractère. Mais de sale caractère. Non, écoutez, mon frère, vous êtes un officier supérieur de l'armée guinéenne et puis un général. De sale caractère. Non, grand. De sale caractère. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ici, de sale caractère? Ouvrato, Alamutima Yamfera. Yamfantina Nayera. Ce n'est pas la peine de continuer à écouter ce monsieur-là. C'est un gars que je respectais beaucoup. Mais maintenant, là, j'ai encore peut-être half an inch de respect. C'est-à-dire, si vous avez un tagi, vous avez un falo, vous avez un kissima, vous avez un bouffé, vous avez un. Il nous a trahis. Il a trahi la Guinée. Il a trahi même la transition. C'est de tromper les Guinéens. C'est d'organiser, mettre les institutions très fortes pour sauvegarder la vie et le respect des êtres guinéens en Guinée. C'est ça. Imunoma Cessera. Il n'est qu'une seule personne. Peut-être le poids aujourd'hui. Mais c'est de mettre quelque chose en place après lui. Et après celui qui va venir après lui, de suivre ça pour servir loyalement, pour servir honnêtement la nation. C'est pas lui. Tout ce qu'ils sont, le gars là a énuméré, c'est un faux débat à Woulé, grand frère Woulé, et puis Idi Amin Woulé, Falayati Nanera. Mais on a non dit Falaybe, et Malik Kamara Ligne, il attendait Maiki, Agnagira, et puis Rakurkui. C'est un menteur, un méchant. Oui, Hanamara, le respect que moi j'avais pour toi, il me juge Maïki Didira, etc. Mamadira, transition, mon arrêt au bé. Idi Amin rentre chez toi. Ira Mamadira, charte Mato. Ira Haran, parce que je sais que tu es plus intelligent que lui. Et lire. Et ressortir encore, il a oué. Il n'y aura pas un enfant. Il va ouler. Il va ramener. Âge n'a rien qui. Il m'a dangi ma iranion. Il roubain. Ce mangue n'a rien. C'est d'organiser la retraite. C'est fini. Aignon. Il m'a nommé cessera la Guinée contre Oule Kima. La Guinée barrabi. Wallahi, c'est ce moment où madame Massono a bien concrétisé mon nez. A mou fala maré. Walkemo wema. Wemane. A walimane. Donc, il y a une conférence. Abarama, c'est la Guinée qui est en train de se faire. CNRD. Pourquoi ou maman Sema?
c'est que on a voulu na kui tonyege mri kasaraki omugenima sosomange na wi wallahi omugenima donc idiamin ga kote na naki c'était juste nga falabe amutamo amitamo sono c'est fini maintenant. On fama hanu nga soka sorega programme kui parce que na fana on yira beto